Bien, bonjour à tous les amis, ici Portus et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour le fameux Carlog 10 où je vais vous montrer une route qu'il faut si vous voulez aller à Cartagena en évitant les deux péages. Donc là, on va sortir à Los Montesinos. Notez bien que vous sortez 751. Et je ne serai pas tout seul car je vais appeler la personne que j'avais mis un trou dans la dernière TE. C'est parti. Bon, en fait, il s'est passé que dans la vidéo, j'ai essayé d'appeler Diane Gamer 25, mais en vain. Ça avait fait un bip immonde. Donc, d'où le fait que j'ai coupé le son à ce moment-là. Donc, pour vous dire, là, il va falloir aller au rond-point, il faut aller à gauche, faut pas aller à droite. Parce qu'en fait, pour tous les GPS du monde vont vouloir vous faire aller à droite, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut. Mon but vraiment, c'est vous montrer des routes sans devoir que vous devez suivre votre GPS et des sortes d'itinéraires bis que je conseille. Donc voilà, c'était l'astuce du cochon. Normalement, on va retrouver Portus du passé qui devrait continuer la vidéo sans le bruit horrible et qui va être un petit peu énervé. Donc je vous laisse avec lui. Ok, ben. Allez savoir pourquoi. Bon, j'espère qu'on aura vu le lac rose. Si on le voit pas, je vous mettrai une photo. Parce que c'est un lac qui est juste magnifique. Franchement, quand on le voit, on s'attend vraiment pas à ce qu'il soit rose. Donc voilà, c'est juste une route où il faut pas être pressé, les gars. Je vous dis par là, faut vraiment pas être pressé. Il faut 20 minutes pour arriver à. En fait, on aura un bout de route comme ça. Ensuite, on aura de l'autoroute. Je couperai à ce moment-là. On requittera, on traversera une partie de Torrevieja. Et on prendra après la nationale 332 jusqu'à l'endroit où je vous indiquerai où est-ce que vous pouvez reprendre l'autoroute pour aller à Cartagena. Je vous marquerai la plus rapide et la recommandée par Portus. Je vous rappelle d'ailleurs que à partir de maintenant, il n'y aura plus de TE. Voilà, suite à un incident qui s'est passé, je ne mettrai plus de TE parce que ça me prend beaucoup trop de temps. Dites-vous bien que pour faire ça, moi je tourne les vidéos le soir. Je tourne, je monte et je tourne les vidéos le soir pour être plus tranquille. Sauf là que la vidéo est sortie, la dernière sortie vers minuit, mais ça c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça. En fait, je passe une heure à tourner mes vidéos. Ensuite, je passe entre une et deux bonnes heures à les monter. Et en fait, pendant la production, je fais les TE, je fais tous les liens et ça me prend beaucoup trop de temps parce que en fait, je m'aperçois que personne ne les lit et ça sert à rien. YouTube, c'est YouTube. Je vais pas m'amuser voilà à faire des trucs écrits alors que YouTube, c'est pour de la vidéo à la base. Ça sert à rien, ce serait contredire le taux de YouTube. Par contre, qu'est-ce qu'il fout? S'il est pas là, je pense qu'il va m'entendre. Mais bon, c'est pas trop grave. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que le coin il est plutôt sympa. Voilà, j'espère qu'on entend.
me fait pas plaisir. Voilà, donc là on arrive sur la portion d'autoroute. On va aller jusqu'à l'entrée, ensuite je vais couper pour arriver à. Alors, je pense pas du coup que Gilbert Diaz ni Marantiac, je pense pas qu'il sera là. On va essayer de se débrouiller pour qu'il puisse vous parler au montage, mais ce sera plutôt compliqué. Je sais pas, je le sens. Ça va être compliqué. S'il rappelle, je verrai bien comment je fais. De toute façon, je vais me débrouiller. Je le fais maintenant parce que chez Bertien, quand je vais revenir, je vais avoir le soleil en pleine à la tronche. Donc, si moi je l'ai, si moi je l'ai, vous l'aurez aussi. Et ça va pas faire un truc sympa. Voilà, donc là, Torrevieja Cartagena, ne vous occupez pas du panneau péage parce qu'en fait, on va ruser pour éviter de pour aller autre part. Donc voilà, donc moi je cut, on se retrouve dans 5 minutes à peu près à l'entrée de Torrevieja. Allez, à tout de suite. Donc nous revoici, on va bientôt quitter l'autoroute. Donc notez bien, sortie numéro 758, CB95. Je vous laisse noter, hein. Je vais non. J'ai dit que je ne vous mettrai pas de fiche. J'ai dit, allez, peut-être que je vais leur mettre une fiche. Non. Je perds mon temps là en fait. Je perds mon temps à vous faire ça, alors que je peux vous faire des vidéos de qualité. C'est de la qualité. Je fais plus de vidéos que Cyprien quand même. J'ai plus de vidéos au compteur qu'un youtubeur d'un million d'abonnés. Et je me fais plaisir. C'est le principal. Allez, bon bref. Non, et bien on va avoir un petit peu de ville. Depuis le temps que vous m'avez demandé de la ville, on va en avoir un petit peu. Et voilà. C'est vraiment là une vidéo itinéraire bis recommandée par Portus. Et puis voilà. Le revoilà, le fameux lac rose. J'espère qu'on verra bien dans la vidéo. Si on la voit pas, je m'en fiche, je vous ferai une photo. Comme j'ai dit avant. Mais bon, peut-être que je le ferai là où on le voit le mieux. Parce qu'en fait, de l'autre côté, il y a une espèce de plage où je pourrais prendre, où je pourrais peut-être vous prendre la photo. Ou bien je vous mettrai une vue satellite. On verra bien. Hein. Je vais arrêter de me faire des plans. Parce qu'après, je ne les respecte pas. Donc, il faut que j'arrête. Je vais me calmer, moi. Allez, on va rentrer dans la. Oui, j'ai changé de station, en effet. Non, je suis sorti celle même. CF, les 100 ans de la radio. Voilà, référence. Oh, punaise. Petit téléphone, mais je vais couper. À tout de suite. Non, bon, malheureusement, j'ai été interrompu. Voilà, le téléphone a sonné pendant la vidéo. C'est pas trop grave, hein, comme ça je vais pouvoir vous expliquer. Donc, en fait, c'est tout simple. Faut continuer jusqu'à arriver à la nationale. Faut surtout pas rebrousser chemin parce qu'à un moment, vous allez voir que y a une sortie. Sauf qu'en fait, il faut pas la prendre parce qu'on arrivera pile poil au péage. Donc, je vous conseille de faire attention. Suivez pas à pas l'itinéraire. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous mettre une fiche. La vidéo, donc, à Diane Gamer 25 sera faite dans les prochaines semaines. Je vais essayer de me débrouiller. Parce que là, il avait quelque chose à faire d'important. Donc, il m'avait pas prévenu. C'est pas grave, hein. Ah, non, en fait, je me suis aperçu qu'il m'avait prévenu. Si je manquais plus de data dans mon téléphone. Bref. Donc là, vous continuez, vous suivez tout ça. Je suis très content qu'il n'y ait pas eu beaucoup de monde. Voilà, après, qu'est-ce que je peux d'autre dire? Que la résonance m'a fait rager énormément parce que je me suis dit, on va pouvoir faire un truc cool avec le système et tout ça. Sauf qu'en fait, je m'attendais pas à ce que ça fasse ça. Donc, on va essayer de se débrouiller avec Adilan pour faire une vidéo potable. Ce sera même pas, peut-être, ce sera peut-être pas un car vlog, ce sera carrément peut-être une vidéo simple sur le PC. On va se débrouiller, peut-être une vidéo ETS, ou on verra bien ce qu'on fera. On fera en fonction de tout. J'espère que ce style de vidéo vous aura plu. Je sais pas si les prochaines vidéos de ce style, je dirais vraiment des car vlogs. Je pense que je vais lancer une nouvelle série qui s'appellera Itinéraire bis.
Je vais l'appeler comme ça parce qu'en fait, ce sera l'itinéraire que je vous conseillerais. Je vous, même si je ne vous mets pas de TE, je vais quand même vous mettre dans la description les étapes à mettre pour que votre GPS vous fasse passer par là parce que c'est vrai que c'est assez compliqué à suivre sur la vidéo lorsque vous êtes dans le feu de l'action. Je vais vous mettre une image. Ça, je fais ça rapidement pour vous dire. Hein. Je prends un screen de Maps. Je vais sur Paint et je vais sur Paint. Je dessine là où il faut et je mets la sécurité pour éviter que ce soit modifiable. Et puis voilà, parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais si vous prenez une image normale et que vous la mettez sur Paint, il va et que vous allez la modifier, certes, elle se modifiera, mais en fait, vous ne pourrez pas la sauvegarder parce que généralement, la majorité des images ont une sécurité à part certaines. Mais ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo parce que les images Paint c'est un petit peu compliqué, en particulier au niveau des formats. Moi personnellement, je suis pas trop doué donc je me renseignerai au préalable avant le tournage quand même, faut pas déconner. Et puis voilà. Donc je me renseignerai pas à la personne que vous dites. Donc comme dit, je sais pas si je vous ai parlé de l'absence de TE, je crois que je vous en ai parlé. Ouais, je m'en souviens même plus. Mais voilà, je rappelle qu'elles seront. Il y aura plus de TE, les TE seront. J'en ferai quand même, certes, mais je pense qu'elles seront pour moi. Par contre, il y aura toujours des diapos. Je vous ferai toujours, voilà, quelques PowerPoints. D'autres fois, je vous mettrai des images bonus. Je vous mettrai des images bonus que je peux pas forcément vous mettre dans la vidéo. Mais voilà, des petits bonus et tout ça qu'il y aura tous les. Peut-être toutes les semaines, je verrai si je vous en ai. Non, pas toutes les semaines, peut-être que je vous en mettrai un tous les mois. En fait, je vais vous lancer une énigme. En gros, je vais vous mettre un document avec un code dans la vidéo. En fait, dans le bilan. Et tout simplement, en fait, il faudra que vous trouviez le code qui sera dans la. Qui est trouvable dans la vidéo, une sorte d'énigme. Je sais que ça plaît à beaucoup de mes abonnés, donc je pense que ça peut vous plaire, ce système-là. Je vais y réfléchir. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Ok, bon là je suis en train de voir que c'est bientôt que Portus du passé va reprendre la relève. Il va vous expliquer ce qu'il a expliqué. Moi je suis juste là pour meubler parce que à part ça, j'ai rien d'autre à vous dire. Je suis payé pour vous faire ça. Non, je déconne. Je rigole, mais bon. On peut s'amuser dans la vie. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vais vous faire reprendre Portus du passé. Voilà. Re. Bon, excusez-moi, j'ai eu un petit coup de fil. Voilà, d'où le fait qu'on a coupé. De toute façon, si c'était Diane Guevara 5, j'aurais décroché en vidéo. Ce n'est pas lui. Donc, la direction Cartagena. Non, je vous aurais expliqué ça en voix off. Une petite voix off, je pense. Pendant l'appel, parce que ça a duré 4 minutes 30. Normalement. Enfin, que je le revérifie. En fait, ce que je fais, c'est que je le fais pas directement avec Power Director, les voix off. Pour la simple et bonne raison que ma voix n'est tout simplement pas assez claire sur Power Director. Avec le logiciel d'enregistrement vocal directement, donc oui, sans compter qu'à chaque fois on entend clic 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 clic. Croyez-moi que quand je tape, on entend très fort et quand je clique, on entend très fort aussi. Je vais m'ouvrir les aérations parce que moi, en masque, j'ai chaud. J'ai 29 degrés. Pour l'instant, il est 15h51. Normalement, je vous ai caché la date. Ouais, ah ben, ça va vous vérifier. Voilà, donc on a passé Torrevieja. On arrivera dans une dizaine de minutes à l'endroit où je peux vous suggérer de reprendre l'autoroute. Que là, hein, le côté est payant. Ouais. C'est bon pour le changer, ça, parce que j'ai l'impression que la place est mal ici. M Radio, dites-moi si vous connaissez. Voilà, on va voir. Centre commercial Punta Marina. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui passent par là parce qu'en fait, le GPS, là où moi j'ai coupé, il vous aurait fait
continuer vers l'ouest, alors qu'en fait là nous on arrive directement par le sur la route côtière, alors bon, on voit pas la mer, mais bon, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi je suis pas géographe, hein. Enfin si, moi je le suis, mais dans la vraie géo. Ah, oh, vous savez pas la différence entre vrai et faux géo? Ben, je vais vous raconter. Bon, en fait, je vous explique. Avant tout, quand je me fais chier, je vais sur Google Maps. C'est important pour la suite. Et en fait, la faux géo, c'est tout ce qu'on nous apprend pour la démographie, les aires urbaines, tout ce que tu veux. De ces trucs qui ne serviront à rien, sauf exception, que je parlerai dans une prochaine vidéo. Et en fait, la vraie géo, c'est ce que je fais moi. Quand je veux, je prends mon téléphone. Voilà ce que j'ai sous la main. Je vais sur Maps et je regarde un petit peu. Je regarde pour les vidéos. En fait, je suis en imagination permanente. Voilà. Et c'est pas forcément pour les vidéos. Pour moi aussi. Parce que j'ai une vie. Hein. Dites-vous bien que ma vie n'est pas que YouTube. C'était le cas avant, certes. Mais j'ai changé. Comme dirait l'Amso. Donc, non, je ne glisserai pas de rêve de chanson parce que sinon ça va terminer en démonétisation. Et puis voilà, c'est assez. C'est une route qu'il faut connaître. Voilà. En été, elle n'est pas trop fréquentée, bien qu'on est le 6, on est le 8 juillet. Donc, on est le 8, on est. Nous sommes jeudi, donc nous sommes le 8, parce que vendredi c'est le 9. Non, non, ne me regardez pas comme ça. Je peux lire un panneau à 400 mètres. Un but dégagé. C'est énorme. Hein. Allez, à tout de suite. Oula, j'ai failli vous rater l'endroit. Donc là, je vous recommande, si vous voulez reprendre l'autoroute, de la prendre ici. Uniquement, bien sûr, pour aller vers Cartagena. Parce que de l'autre côté, vous allez payer. Voilà. Donc en espérant que cet itinéraire bis vous aura plu, je vais essayer de vous en faire plus régulièrement. Parce que ça peut aider pas mal de personnes. Ça, j'en suis bien conscient que ça peut vous aider. Hein. On n'est pas obligé de suivre ce que les GPS nous disent. Moi aussi, le but de mes carblogs, c'est ça. C'est vous faire découvrir des routes que les GPS ne vont pas forcément vous faire prendre. C'est aussi ça mon but. Et puis, donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura... pas diverti, mais vous aura aidé. Prochaine vidéo, on sait pas ce que ce sera. Voilà, je vous laisse le suspense. Avant, je savais, mais je peux vous faire. On verra bien. Maintenant, il y aura un suspense. Je remplirai quand même les trous de la trace écrite de la dernière vidéo et ce sera la dernière. Je vous en remettrai pas d'autres. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Portus. Au revoir. Adios, mon amour.